Salut, c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Je t'invite d'ores et déjà à partager, commenter, liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. Ceci étant dit, en fait, je voudrais te parler de détermination et de valeur. Et tout ça en lien avec la formation. C'est-à-dire, en fait, je te parle de ça parce que je viens de démarrer une nouvelle formation. Non pas que moi je propose, mais une formation que moi je suis. Et tu vois, n'importe quand, à n'importe quel moment, peu importe ce que tu fais dans la vie, je crois que se former, c'est bien pour se développer. Moi, je suis très axé connaissance de soi, développement personnel, c'est logique, ça va dans le sens de ma chaîne, de tout ce que je propose, de mon métier, de mon activité. Et je me suis dit, faut que je te parle de ça, de la valeur que tu donnes à ton travail, à ton effort. Parce que t'as plein de personnes comme ça qui vont acheter une formation, qui vont se lancer dans un programme et ils vont faire... Il y en a qui démarrent même pas, il y en a qui l'achètent. Et moi, j'ai le cas avec ce que je propose. T'as des gens qui achètent et jamais ils intègrent, ils démarrent le truc. Comme il y en a d'autres qui démarrent plus tard, il y en a qui font la moitié, il y en a qui vont jusqu'au bout, t'as un petit peu de tout. Mais ce que je veux dire, ce qui fait la richesse de ta formation, c'est la valeur que tu y accordes. Et finalement, c'est la valeur que tu t'accordes. C'est-à-dire, moi, là, je démarre une formation qui se passe sur 5 jours. C'est un truc assez intensif pendant 5 jours. Et c'est pour améliorer certains axes par rapport à la PNL. Enfin, voilà, c'est les outils que je veux perfectionner, tout simplement. Et je pourrais avoir envie de procrastiner. Je pourrais avoir envie de reporter au lendemain. J'ai un agenda bien chargé. J'ai des journées bien chargées. Je pourrais me dire, je reporte ça plus tard. Mais non, je m'organise en conséquent parce que c'est important pour moi de suivre ces formations, parce que c'est important pour moi d'apprendre ce que je vais apprendre. C'est important pour moi de m'améliorer, d'apprendre à mieux me connaître, de développer le développement personnel. C'est de se développer soi. C'est l'épanouissement personnel. Être mieux dans sa peau, être mieux dans sa vie, donner plus de sens aux choses. Bref, pour moi, ça me parle dans cette direction, ça me parle de cette manière. Mais peut-être que toi, ça te parle différemment. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important quand tu te lances dans une formation, tu te lances dans un programme, c'est la valeur que tu y ajoutes toi. Peu importe le prix que tu l'as payé, il a déjà une valeur, effectivement. Il y a une valeur donc psychologique, mais il y a aussi une valeur émotionnelle dans le sens où est-ce que pourquoi est-ce que tu fais ces formations? Pourquoi est-ce que tu te lances dedans? Qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu t'es dit « bon sang, ce truc-là, je vais le prendre. Ça, je vais l'acheter. Ok, je vais investir dans ces formations parce que quoi, justement? Parce que tu en as besoin, parce que ça va t'apporter quelque chose de plus, une plus-value. » Et c'est là que la magie opère. Parce que tu as des formations qui sont très courtes, enfin bref, peu importe finalement le contenu de la formation, c'est ce que tu vas en faire qui va faire la différence. Comment est-ce que tu vas creuser les choses, aller au-delà? Moi, j'ai suivi des formations où est-ce que tu avais deux trois thèmes, ok, avec quelques informations pour caricaturer la chose. C'était très concentré, mais ça invitait. L'idée, c'est de chercher, de creuser et d'aller plus loin. Donc, grâce à ces petites formations que j'avais déjà prises, je suis allé creuser plus loin, aller faire des recherches sur Internet par rapport à d'autres choses. J'ai lu des bouquins, je me suis ouvert à d'autres choses et du coup, je me suis enrichi comme ça en connaissances. Et c'est grâce à ces petites formations que j'avais prises, tu vois, qui contenaient peut-être peu de contenu, mais c'est ce que j'en ai fait qui a fait la différence, tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de suivre ces formations? C'est ça qui est important. Voilà, je voulais te parler de ça aujourd'hui et du coup, ça impacte sur la détermination, tu vois. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'acheter ça, tu vois? Et là, la formation que je suis en train de suivre, elle s'étale sur 5 jours, mais finalement, c'est un thème par jour. Et c'est un thème qui demande à réfléchir, qui demande à pousser ses limites, qui me demande à faire des recherches, justement, à m'ouvrir, à aller au-delà du programme, en fait. C'est fait comme ça, c'est fait exprès. Mais quand on ne sait pas, mais c'est important, c'est même pas quand on ne sait pas. Ce que je veux dire par là, ce que j'insiste, ce pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, c'est vraiment sur la valeur que tu mets aux choses, le pourquoi est-ce que tu fais ce choix, pourquoi est-ce que tu as décidé d'intégrer cette formation, qu'est-ce que tu attends derrière, c'est qu'est-ce que tu veux en faire. Parce que si tu as fait ce choix, c'est un choix pour toi.
Donc, qu'est-ce que tu attends pour toi? Qu'est-ce que tu veux en faire pour toi? Et vu que tu as tout entre tes mains et que tu es un être d'action, alors quelle action tu mets en place? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois? Et sois dans ce focus là-dessus. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Voilà, je me suis lancé dans une formation, moi je me suis lancé dans un truc, ok, pourquoi je le fais? C'est pour m'améliorer, pour développer, augmenter, améliorer certains outils que j'ai des connaissances, mais j'ai envie d'aller plus loin par rapport à ces points précis, j'ai envie de développer ça pour être encore meilleur dans mes accompagnements, pour aller encore plus loin, tu vois, pour t'aider encore plus, tu vois. Bon, c'est avant tout pour m'aider moi, ok, ça me fait du bien à moi, je m'améliore à moi, et après, il y a l'impact sur mon environnement, où est-ce que je vais pouvoir t'aider toi plus encore, toi ou quelqu'un d'autre, ok? Donc voilà mon pourquoi, et c'est ma motivation, et je reste focus là-dessus, c'est important pour moi, c'est vraiment extrêmement important pour moi d'aider les gens, d'accompagner les gens, de t'aider à oser vivre ta vie, à être bien dans ta peau, à être heureux, à être OK avec toi-même et aligné, tu vois. C'est super important pour moi. Donc, c'est pour ça. C'est mon leitmotiv à moi, OK? Voilà mon pourquoi. Et donc, cette formation que j'ai prise, je suis à fond dedans et je trouve le temps pour, tu vois. Je trouve le temps pour, je m'organise. Et voilà, ça devient ma priorité. Voilà. D'où le fait que je te fasse une vidéo, en fait, toi tu le sais pas, mais il est assez tard. Et je savais pas trop quoi te dire, et ça en fait en fin de journée, où est-ce que je me suis dit, merde, j'ai pas fait de vidéo pour demain, faut peut-être que je fasse quelque chose là quand même, ok, bah tiens, je vais lui parler de ça, de son pourquoi. Voilà, la valeur que tu donnes aux choses. Donc voilà, si tu veux te lancer dans une formation, si tu veux te lancer dans un programme en ligne, même un accompagnement individuel, c'est exactement la même chose. C'est pareil, tu veux te lancer dans un accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre, une formation, les miennes ou quelqu'un d'autre, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Et réponds à cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour toi derrière? C'est ta valeur. C'est la valeur de la chose. C'est là qu'est la vraie richesse, tu vois, de ton investissement. Peu importe la thune que tu mets, on s'en fout de l'argent. Ce qui compte, c'est la richesse de l'investissement. C'est une richesse qui vient du cœur. Ok? Ta valeur. Et garde ça en tête. Garde ça en tête et avance. Avance. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Voilà. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'invite, et je t'ai déjà dit au début, mais je te le redis maintenant, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo un maximum et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci un maximum aussi pour une infinité de merci pour votre présence, votre soutien, vos partages, vos likes, toutes ces interactions qu'il peut y avoir, c'est super, merci beaucoup. T'as remarqué aussi que maintenant je commence à faire à publier, poster des vidéos directement sur Facebook. J'ai remarqué que ça amène encore quelque chose de différent, donc je commence à faire ça aussi, à mettre des vidéos en ligne sur YouTube, mais j'en mets aussi sur Facebook d'autres vidéos, voilà. Voilà, histoire d'amener encore plus de dynamique. Bon, comme d'habitude, ose vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, voilà. Et oublie pas ton pourquoi. Pourquoi je fais ce choix? C'est qu'est-ce qui est important pour moi derrière? Voilà, et respecte ça. Parce qu'en respectant ça, c'est toi que tu respectes. C'est toi que tu respectes. Yes. Bon allez, prends soin de toi, vivre ta vie. Ciao, ciao.